37, page 44. On est dans la première colonne, haute tête vave. Les éprinates, matnot keuna, shetzrichim litenabe meabeima la kohen. Et ça, c'est les matnot keuna, c'est-à-dire que chacun il doit donner, quand il amène des offrandes, il y a une partie qui va de la bête qui va au kohen. Qui a matnot shenotim la kohen, mes offrandes zevar. Parce que quand on donne une partie du korban au Kohen, ça c'est la tzedaka d'Eretz Israël. Qu'on a dit que c'est le principe du ta'anit, c'est-à-dire du jeûne, que toute la possibilité qu'on a, c'est-à-dire la façon de repousser la matière et le corps, c'est par le tanit. Le tanit ici, c'est la tzedaka de l'Israël. Prinat behema ve'aliyat ha'nefesh. C'est-à-dire que sortir de l'animal et faire monter l'âme. Prinat adam kanal, que c'est Adam. Alors tout ça, c'est des notions qu'on a déjà, sont des notions qu'on a déjà vues avant, qu'on a développées. Qui est Kohen ou Prinat Kdusha Teret Israël. Parce que le Kohen, il représente la Kdusha d'Eretz Israël. Qui est avodat Kohen ou bet amigdash ba korbanot, parce que le travail du Kohen, il se fait dans le bet amigdash, dans le sanctuaire, et lui il s'occupe des offrandes, des sacrifices. Shemisham ikar kedushat eretz Israël, que toute la kedushat eretz Israël vient d'où? Elle vient du bet amigdash, comme on va voir parmi qu'on a expliqué plusieurs fois. Alken amatanot shenotnim Israël la Kohen, lachzik oto kedesh yochal la'avod avodato bet amigdash. Donc maintenant les matanot qui donne le Ham Israël, qui donne au Kohen pour pouvoir le maintenir, qu'il puisse faire son travail dans le Beth Amikdash, comme voir la Torah, comme Apsukim, comme c'est écrit plusieurs versets sur ça de la Torah. Vem esrim ve'arba matanot keuna. Et c'est les 24 matanot keuna, c'est-à-dire il y a 24 choses que on doit donner au Kohen. Zehu prinat tzedaka shel Eretz Israël. Ça c'est la tzedaka de Eretz Israël. Shekdushata nimshechet mi bet hamikdash uprinat kdushat hakohen, que la tzedaka d'Eretz Israël, sa kdusha elle vient du bet hamikdash, du sanctuaire qui est la kdusha du Kohen. Donc on parle ici, quand on parle de tzedaka d'Eretz Israël, on ne parle pas de donner pour planter des arbres dans les forêts. Ici on parle de donner pour que les gens ils puissent développer la Torah en Eretz Israël. On ne parle pas des gens qui vont donner pour construire les musées de l'automobile à Tel Aviv. Ça ne s'appelle pas Tzedaka d'Eretz Israël. Tzedaka d'Eretz Israël, ça veut dire donner pour tout ce qui est révélation du nom d'Hachem par l'intermédiaire des Kohanim. Des Kohanim, c'est des gens qui ont consacré leur vie au service d'Hachem, c'est-à-dire pour faire connaître Hachem dans le monde, pour permettre aux gens qui sont bloqués dans leur comportement animal, de pouvoir sortir de là et devenir des êtres humains, c'est-à-dire des gens qui vont parler. C'est ça qui s'appelle la tzedaka d'Eretz Israël. Pour ça qu'on doit donner d'un animal, on doit donner des cadeaux au Kohen, c'est-à-dire on doit lui donner des parties chez Uprinat tzedaka chez l'Eretz Israël, que ça c'est le principe de la tzedaka d'Eretz Israël. Qui tzedaka chez l'Eretz Israël, Uprinat ta'anit. Parce que la tzedaka d'Eretz Israël, c'est un principe de jeûne. Chalidézé ikar aliyat ha'nefesh. Que ça fait monter l'âme, mi behema le adam. Ça fait monter de behema à adam, c'est-à-dire de l'animal à l'homme. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on voit qu'il y a des kedushot en Eretz Israël. Il y a des kedushot en Eretz Israël, d'accord? Il y a asara kedushot en Eretz Israël. Il y a 10 kedushot qui sont les unes différentes des autres. La plus grande kedusha qu'il y a, c'est la kedusha du Beth Amikdash, c'est l'endroit du Kotel, c'est la plus grande kedusha qu'il y a. Il y a autant de différences entre quelqu'un qui habite à par exemple à Tel Aviv, ou à Haïfa, ou à Ashdod, ou à Ashkelon, et Yerushalayim, que la différence entre quelqu'un qui habite à Paris, et qui entre Paris et Ashdod, et Ashdod et Jérusalem, c'est la même différence qu'il y a. Parce que c'est des kedushot qui sont très élevés. Donc tout le nian d'Eretz Israël, c'est la kedusha d'Eretz Israël. Il y a 10 kedushot en Eretz Israël. Ces 10 kedushot-là,
elles sont faites pour révéler les dix façons qu'il y a de voir Hachem par rapport aux dix sphirotes qui sont l'outil qu'Hachem il a utilisé pour se révéler dans le monde. Il y a dix sphirotes. Ces dix sphirotes, elles sont révélées principalement par les dix kedushot qui sont en Eretz Israël. Maintenant, quand quelqu'un vient habiter en Eretz Israël, il vient pour la kedusha d'Eretz Israël. C'est pour ça, sinon, ça ne s'appelle pas Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? S'il vient pour la plage pour manger des pastèques, il y a d'autres pays où il peut faire ça même mieux qu'ici. Il n'a pas besoin de venir ici pour ça. C'est-à-dire, si quelqu'un vient en Eretz Israël, c'est pour avoir accès à une des kedushot d'Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce que c'est la kedusha, la sainteté? Il a dit que tout endroit où tu trouveras une retenue par rapport à la nudité, une barrière par rapport à la nudité, tu trouveras la Gdusha. Mitzrayim, ça s'appelle Ervat Haaretz. L'Égypte, ça s'appelle la nudité du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça s'appelle la nudité du monde? Ça veut dire que c'est la liberté de la consommation. Celui qui vient en Eretz Israël, et c'est bien qu'il le sache avant de venir, parce que des fois, des gens ne le savent pas, c'est quelqu'un qui vient habiter en Eretz Israël pour servir Hachem, il doit savoir qu'il va rentrer dans un pays où il va rentrer dans un pays de restriction, parce qu'il va se restreindre par rapport à sa façon de vivre en Chutz Laaretz. Ça ne veut pas dire qu'il va manger moins, ou qu'il va... mais les choses en Eretz Israël, elles ont une retenue naturelle. C'est-à-dire que tout ce qui s'appelle en Chutz Laaretz, que les gens ils disent « je vais m'éclater », en Israël, quelqu'un ne va pas s'éclater. Ça n'existe pas en s'éclater en Eretz Israël. Parce que c'est un pays que la Kedusha qu'il y a dedans, elle crée une retenue. Elle crée une retenue dans l'individu. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle Ta'anit, la Tzedaka d'Eretz Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Ta'anit. Parce que celui qui vit en Eretz Israël, c'est comme s'il vivait dans un Ta'anit permanent. Parce que même s'il y a tout ce qu'il veut, même s'il y a un supermarché, il est plein, il y a tout ce qu'il veut comme fruits et légumes et de la viande et des boissons et tout ce qu'il veut. Mais l'approche de ces choses-là, il y a une retenue qui est inhérente à la terre elle-même. C'est-à-dire la terre, elle va créer une retenue chez l'individu. Même s'il ne veut pas, c'est la terre, elle a cette force-là de créer une retenue. De la même manière que la terre, par exemple, maintenant on est dans la Shemitah, alors voilà, on ne peut pas manger les fruits de la Shemitah. Voilà, maintenant tu veux manger des fruits de la Shemitah, va habiter en Égypte, va habiter où tu veux, tu peux manger les fruits toute l'année, tous les ans, 7 ans, 40 ans, 50 ans, ça ne s'arrête jamais. Tu peux y aller, c'est ouvert, la consommation. Ici, non. Ici, tu as 6 ans, 7 ans, tac, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas. Un an, tu laisses la terre, tu ne peux pas cultiver la terre. Tu la laisses tranquille, la terre. Tu ne peux pas l'exploiter sans arrêt. Et à un moment, elle te dit stop, tu me laisses tranquille pendant un an. Pas de labour, pas de semer, rien du tout, tu t'arrêtes. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent à la Kedusha de la terre d'Israël. Et comme ça, il y a beaucoup de choses, qui sont liées à ça dans des comportements de l'individu, que même s'il ne le veut pas, c'est-à-dire que si même il n'est pas conscient, il va y avoir une retenue par rapport au laisser-aller qu'il peut y avoir en dehors d'Eretz Israël, n'importe où l'individu il va aller, il peut aller jusqu'au bout dans sa consommation. L'Eretz Israël, il va avoir de la retenue. Le Rebbe, il a dit que dans le monde, on dit si quelqu'un déjà il mange du porc, alors c'est pas grave que ça coule dans sa barbe. Rabbeinu, il a dit non, si quelqu'un il mange du porc, à moins qu'il fasse attention que ça coule pas dans sa barbe. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a donné comme derrière la retenue. C'est pas parce que quelqu'un il est en train de faire des bêtises qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Si quelqu'un, chaque chose qui va se retenir dans la bêtise, il aura un salaire sur ça. Il aura moins de gainam sur ça. Il aura plus de srar sur ça. Parce que maintenant, on voit qu'il s'est retenu. Les goïms, ils disent là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais nous, on ne dit pas ça. Nous, on disait que même dans le plaisir, il y a de la gêne. Nous, on dit le contraire. On dit que même dans le plaisir, il y a de la gêne. Nous, là où il y a un plaisir, c'est jamais, on ne va jamais jusqu'au bout dans le plaisir. La Torah, dans tout ce qu'elle nous a donné, à même des choses qui sont un plaisir du corps, il y a toujours une retenue. C'est toujours dans des mesures. Il n'y a aucune chose qu'on fait dans la Torah, et même si c'est du plaisir, il n'y a aucune chose qui est complètement ouverte. Tu veux faire un bon repas, pas de problème.
Tout est kasher, Baruch Hashem. Il faut que tout soit kasher. Maintenant, il faut que tu te laves les mains. Tu fais une Netilat Yadayim. Il faut que tu regardes que l'endroit où tu vas bénir, il n'y a pas des choses sales, sinon tu ne peux pas faire une bracha. Maintenant, quand tu manges, il y a un seder dans le manger. Tu as envie de manger de la viande avant le poisson, tu ne peux pas. D'abord, on mange le poisson. Après, on mange la viande. On ne mélange pas la viande avec le lait. On mélange pas le poisson aussi avec le lait. Chaque chose, c'est régi. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Même si tu dis, je vais faire un super repas, il y a au moins 20, 30, 40 halakhot qui vont rentrer et qui vont te rentrer dans des mesures de la chose. Ça, c'est la kdusha du Ham Israël. C'est pour ça que le Ham Israël, il s'appelle Kadosh. Parce qu'il y a toujours de la retenue. Il ne peut pas. Quelqu'un, un Ben Israël, il va voyager. Il ne peut pas voyager sans rien. Il y a des gens, tu vois, à l'aéroport, ils n'ont rien. Ils viennent, ils ont leur téléphone et ça y est, ils partent. Un juif, il ne peut pas. Il a le talit, il a tefillin, il a tzedal derer, il doit prendre un kazaït de pain avec lui. Il y a des trucs qu'il ne peut pas, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas ici de laisser aller. C'est-à-dire que la gdusha du Ham Israël, c'est qu'il n'y a pas de laisser aller. Donc ça s'appelle un ta'anit. Ça s'appelle jeûner. Le Baal Shem Tov, il dit que celui qui va au mikvé avant la tefillah le matin, c'est considéré comme s'il a jeûné. Parce que maintenant, ça aussi, il se lève, il dit, maintenant, voilà, maintenant tu vas te tremper d'abord, après tu vas faire la tefila. Il dit, ouais, mais il n'y a pas de... Tu vas d'abord, tu te trempes, et après, tu vas te purifier, après tu vas faire la tefila. Alors, quand quelqu'un va au mikvé avant la tefila, c'est considéré comme s'il a jeûné. Alors, le principe du jeûne, c'est cette gêne qu'il y a, c'est-à-dire cette retenue, si on veut, qu'il y a, pour ne pas aller jusqu'au bout dans les choses. Pas que les gens ils vont jusqu'au bout, mamache, au bout de tout. Et après, ce qu'ils ne comprennent pas les gens, c'est ça qui fait qu'après, ils sont dégoûtés de tout. C'est parce que comme les gens, ils n'ont pas de mesure, alors après, il arrive un moment, ils sont blasés, les gens. Parce qu'ils ont tellement été loin dans les tahavot et dans les trucs, qu'il n'y a plus rien qui leur fait aucun effet. Parce que ils ont tout consommé, ils ont été jusqu'au bout de tout. Il reste rien du tout. Il y a plus rien à découvrir, il y a plus rien à apprécier. Tout est terminé. Alors le principe de la Kedusha d'Eretz Israël, le principe de la Kedusha du Ham Israël, c'est un principe de Tanit. Maintenant, si on prend dans le Ham Israël le Kohen, alors le Kohen, lui, il est encore plus dans cette fonction-là, c'est-à-dire dans cette fonction de Kohen, qui est une fonction de Ta'anit par rapport à ce monde. Parce que Hachem, il dit, voilà, les Kohanim, c'est des gens qui ont consacré leur vie pour me servir. Donc ces gens-là, ils n'auront pas de propriété, ils n'auront rien du tout de ce monde. Ils ne vivront que des matanotes que les gens ils vont leur donner, c'est tout. Eux, ils n'auront pas le droit de prendre eux-mêmes de ce monde quoi que ce soit. Le Kohen, il ne peut rien prendre. Le Kohen, il doit attendre que quelqu'un va lui donner. Lui, il ne peut pas acheter une maison, il ne peut pas acheter un terrain, il ne peut acheter rien du tout. Il n'a pas de part en Eretz Israël. Il n'a pas de part. Hachem ou Nachalato. Il dit Hachem, c'est lui son héritage. Il n'a pas d'héritage. Il ne peut pas hériter d'Eretz Israël. Même de la terre d'Israël, il ne l'hérite pas. Parce qu'il doit être Kadosh. C'est-à-dire que maintenant, cet homme-là, il veut arriver à ce que les gens, il les transforme d'animaux en bnei Adam, c'est-à-dire qu'il en fasse des gens qui utilisent leurs paroles et pas qui utilisent leur corps pour fonctionner, il faut que lui soit moufdal, il faut que lui-même il soit séparé de ce monde-là. S'il n'est pas séparé, comment il va pouvoir les aider à sortir? Si quelqu'un se trouve dans le même problème que toi, il ne peut pas t'aider à te sortir. Pour qu'il t'aide à sortir, il faut qu'il vive dans la solution, il ne faut pas qu'il vive dans le problème. Alors le Kohen, il vit dans la solution. Mais cette solution lui a été imposée par Hachem pour qu'il soit un Kohen. C'est-à-dire que c'est ça sa place. Alors lui-même, c'est un principe de Ta'anit. Parce que toute sa vie, il est comme ça. Il vit sous une espèce de frustration. C'est-à-dire une frustration par rapport à ce monde. Parce qu'il n'a pas, accès, il n'a pas le droit d'avoir des choses comme les autres. Mais cette frustration qu'il a, qui vient de cette retenue que Hachem lui a imposée, c'est pour pouvoir aider les autres à sortir. Et on voit ça, ben, mettre en Eretz Israël, que les gens ils ressentent ça.
Par exemple, en Israël, on te dira, voilà, achète ce pantalon, il vient de Chutz Laaretz. C'est-à-dire, quand on veut te dire quelque chose, c'est de la qualité, alors on te dit, ça vient d'en dehors d'Israël. Pourquoi il y a ça? Si tu vas, par exemple, en France, on ne va pas te dire que ça vient d'Amérique ou ça vient de là. Tu achètes un pantalon, tu l'achètes, c'est tout. On ne va pas te dire, non, ça c'est fabrication. Non. Parce qu'ici, les gens, ils sont frustrés. C'est-à-dire que les gens qui sont des consommateurs, ils ont toujours l'impression que tout ce qui vient d'en dehors d'Israël, c'est mieux que ce qui est en Israël. C'est comme ça. Si tu achètes un lit, tu dis non, ce lit-là, il vient de Chutz Laaretz. C'est-à-dire que comme tu peux dormir dessus tranquille, c'est un bon lit. Parce qu'il vient. Pourquoi en Israël, on ne peut pas fabriquer des bons lits? Mais non, parce que les gens, ils ressentent ça, cette frustration-là par rapport à la retenue. C'est-à-dire que tout ce qui est fait en Eretz Israël, c'est comme si c'est quelque chose qui laisse pas aller au bout de la consommation. Donc ça entraîne une certaine retenue qui donne une frustration. Alors les gens, ils ont besoin de se dire, ah, ça vient d'en dehors d'Israël, là c'est bien. Et des fois, ils peuvent acheter quelque chose qui est beaucoup moins bonne qualité, mais le fait que ça vient d'en dehors d'Israël, alors ça lui enlève un petit peu cette frustration. Pour dire que cette sensation-là, elle vient chez le moindre juif qui vit ici. Même si ce n'est pas un Ben Torah, même si ce n'est pas quelqu'un qui a des mochines, qui a un esprit de Torah, Stam, la terre, elle crée cette retenue-là. Et le fait aussi que c'est toujours, il y a toujours des dangers, il y a toujours des trucs, c'est pas une terre où tu peux aller, où te sentir libre. Là où tu vas, tu as toujours quelque chose qui va te gêner, tu vas pas pouvoir te faire tout librement. Il y a toujours un moment où tu dois te retenir. Ça, c'est le principe du Ta'anit d'Eretz Israël. Pourquoi je vous ouvre là-dedans? Pour expliquer cette notion qu'il y a de Ta'anit, de Tzedaka, et de Ta'anit et d'Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, le principe de la Tzedaka, c'est quoi? C'est que quelqu'un il va donner de son argent à un pauvre, ou quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il va lui donner de la Tzedaka, il va enlever de ce qu'il a. Alors le fait qu'il enlève de ce qu'il a, ça crée chez lui une retenue. Quand quelqu'un il donne... quand quelqu'un gagne de 3000 euros, il donne 500 euros à la Tzedaka, c'est beaucoup pour lui. Il se limite. Avec ses 500 euros, il aurait pu aller 4 ou 5 fois au restaurant, ou 10 fois au cinéma, ou il aurait pu acheter des disques, il aurait pu acheter un téléphone, ou il aurait pu faire beaucoup de choses. Donc cette Tzedaka, elle montre une retenue. C'est pour ça que c'est le écart de la Kavana, du Ta'anit, c'est cette Tzedaka-là. Mais cette retenue, elle est faite pour quoi ? Pour pouvoir créer une atmosphère, une condition de connexion avec la Neshama. C'est pour ça qu'il y a une retenue. Parce que si maintenant on ne retient pas le corps, où il va nous emmener? Le corps, il va nous emmener à dépasser les limites. Et à ce moment-là, la Neshama, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus se manifester. Comment on va faire sortir quelqu'un du côté animal, du côté du corps qui le domine? C'est que si on donne d'un côté de la force à la Neshama pour qu'elle s'exprime, et d'un autre côté, on crée de la retenue dans le corps, pour que le corps il aille pas jusqu'au bout. S'il va jusqu'au bout, après ça y est, la Neshama, elle est noyée là-dedans, elle peut plus s'exprimer. Quelqu'un qui s'est habitué à avoir tout le temps tout ce qu'il veut, sans limite, après ça il ne peut pas laisser de la place pour sa Neshama, parce que son corps, il le domine, puisqu'il lui a donné tout le pouvoir. Tandis que quand tu t'apprends à te retenir, n'importe quoi que tu te retiens, c'est considéré comme un Ta'anit. N'importe quoi que tu te retiens. La moindre petite chose, c'est considéré comme un Ta'anit. Parce que tu le fais, pourquoi tu le fais? Pour dire à ton corps, calme-toi. Et un costume, il coûte 1000 euros, et un autre, il coûte 500 euros. Je vais acheter celui de 500 euros. Pourquoi tu n'achètes pas celui de 1000? Non, parce qu'il faut que tu te calmes, c'est tout. Il faut que tu te calmes, je ne vais pas te donner tout, parce que si je te donne tout, tu vas me noyer, je ne vais plus pouvoir faire quoi que ce soit. Donc je vais te calmer, c'est tout. Je t'achète le costume et tu calmes, c'est tout. Pas exagérer, pas aller au-delà des limites. Et ça, c'est chacun, il doit ressentir ça. C'est pas quelque chose qu'on peut rentrer dans les détails, ça c'est la vie de chacun. Il y a des gens pour eux... Chacun selon ses moyens et selon aussi sa neshama. Il y a des gens qui ont besoin de certaines choses
pour leur neshama. Ils ont besoin de la matière aussi pour leur neshama. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin, ça dépend. C'est écrit, les Chachamim, ils ont dit que le Zoroa, c'est-à-dire qu'on donne le Zoroa, l'avant-bras qu'on donne au Kohen, c'est par rapport à la lance de Pinchas. Nimtra, chez Kol Elu Amataon de la Kohen, M. Bisrout Pinchas, chez Kinal Maase Zimri. Maintenant, on voit que toutes les matanotes qu'ils ont reçues, les Kohanim, les Maasé, c'est grâce à Pinchas que Pinchas, il a vengé dans le Maasé de Zimri. Parce que Pinchas, Kina, Kina, Tachem, Tsevakot, Keneged, Bil'am, Arasha. Parce que Pinchas, lui, il a été vengé, l'honneur d'Hachem, par rapport à Bil'am, Arasha. Bil'am, comme on dit, Bil'am, lui, c'est lui qui a fait tomber le Ham Israël. Il cherchait à faire tomber l'âme Israël. Il a fait tomber dans les filles, là-bas dans le lien du Gama Brit. Alors Pinchas, lui, il est venu. Il avait Zimri qui faisait quelque chose qui était interdite par la Torah. Et il a vengé l'honneur d'Hachem. Ça veut dire que il a créé cette limite là. C'est-à-dire il a arrêté la débandade, comme on dit. Maintenant Bil'am, c'est la chose. Bil'am, c'est quoi? C'est la chose. C'est comme si on dit Bal'am, c'est-à-dire avaler. C'est ça Bil'am. Bil'am, c'est celui qui te dit avale le monde. Comme on dit, et croquer le monde à pleines dents, il te dit l'égoïme, allez, croque la vie, avale la vie, prends la vie, profite tout ce que tu peux profiter. Et nous on dit non, ça c'est la clipa de Bil'am. Nous au contraire, nous on prend le moins on prend de ce monde-là, le mieux on va se porter. Parce que tout ce qu'on prend de ce monde-là, c'est que des choses qui vont donner du pouvoir à notre corps. Tout ce qu'on prend comme matière, comme choses qui sont contre la neshama, qui vont dans l'autre côté de la balance de la neshama, ça fait qu'on est déséquilibré après. Après, on veut prier, on veut étudier. Le corps, il est lourd. Il laisse pas monter. Tandis que quand quelqu'un, il prend les choses de façon mesurée, alors il rentre pas dans ce déséquilibre-là. Maintenant, Pinchas, il est venu. Il a vu qu'il y a un déséquilibre, que les gens ils sont entrés dans la débandade, dans le laisser-aller. Alors il a pris la lance et il a tué Zimri avec les filles de Moab. Le problème qu'il y avait avec Moab, Ayabidvar Bil'am, c'était à cause de Bil'am. On a vu que Bil'am, c'est lui qui a créé toute cette chose-là. Parce que Bil'am, quand il a voulu les maudire, il a vu qu'il ne pouvait pas les maudire. Il dit, regarde, c'est un peuple, tu ne peux pas le maudire parce qu'il est béni déjà. Mais il dit, maintenant, il y a une chose que tu peux faire. Le faire tomber, c'est si tu le fais tomber dans le lien de l'alliance. À ce moment-là, après, tu vas les affaiblir. Parce que le maasé de Zimri avec les filles de Moab, c'était le conseil de Bil'am. Comme c'est écrit là-bas, c'était ça, la chose que Bil'am a mis en place. Ou Bil'am, ou Prinat Amalek. Et Bil'am, c'est Amalek, comme c'est écrit dans Sefer HaGilgulim, chez Rabbi Chaim Vital, écrit dans Sefer HaGilgulim, dans le paragraphe Nantet, qui est Meshulavim Beotiotem, Kamova. Parce que eux, ils sont ensemble dans les lettres de leur nom, comme c'est écrit dans les Sfarim, qui Bil'am et Amalek, et même Ikar Zouamatanachash. Parce que Bil'am et Amalek, c'est le Ikar. Le poison du serpent, il vient de eux, chez Utavatagou Vachomer, qui est les tavot du corps et de la matière, Tavata Yetzehara, les désirs du Yetzehara, chez Karit Gabrutam ou Petavat Neuf, que là où il se renforce le plus, c'est dans la Tava de la débauche des femmes, Kumosh Katou, Vazoar Kadosh, Moab, Vesifre Rabbeinu Zichrono Livracha, comme c'est écrit dans le Zohar. Et comme c'est écrit dans le livre du Rebbe Zichron Levracha, Ikara de Yitzra Bisha, le Galaa Rain, et Ikara de Misavuta. Que le Ikar du Yitzhara, c'est dans le Gilou Yarayot, et c'est le Ikar de la Touma, le Ikar de l'impureté. Le Ikar Amilchama, chez Ben Hanefesh Vaagouf, ou Beta Avazot. Et la guerre principale qu'il y a entre l'âme et le corps, c'est dans cette Ta'ava-là. Qui abrite Kodesh ou Tzinor chez Der Sham Yotzim Kola Nefashot. Parce que le brit Kodesh, c'est le conduit par lequel vont sortir toutes les âmes.
que l'écart de l'enfantement il va se faire par l'alliance. Et celui qui arrive à se sanctifier, à se purifier dans ses rapports comme il le faut, à ce moment-là, il a des enfants qui sont saints. De manière à ce que l'âme elle se renforce contre le corps. Et le contraire aussi, c'est-à-dire que quand quelqu'un conçoit des enfants dans le plaisir, là où il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de gdusha, alors l'enfant qui naît, il va naître aussi avec un corps très fort et une âme très faible. Tandis que si les parents ils font des efforts au moment de la conception de l'enfant, plus ils vont faire ça de façon pure et plus l'enfant il va avoir de facilité dans la Torah, dans la Avodat Hashem, parce que son âme elle va dominer son corps. C'est-à-dire au moment de la... Il y avait le rav de Sarcelles, Alav Hashalom, qui était un des élèves de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Il a étudié à Aix-les-Bains avant. Alors des fois il venait, des fois il y avait des mariages ou des choses, alors il venait, des fois on le voyait, il venait à la Yeshiva. Une fois, il était venu dans un mariage, il avait parlé, il a dit aujourd'hui, les psychologues, ils ont découvert que l'éducation de l'enfant, elle commence dès le jour de la naissance, ça commence l'éducation de l'enfant. Alors il dit, nous, la Torah nous a appris que l'éducation de l'enfant, elle commence 9 mois avant la naissance de l'enfant. C'est là où l'éducation, elle commence. On va dire, comme quelqu'un, il a été conçu, c'est comme ça qu'il naît. Alors c'est pour ça que, aussi, chacun... Comme on dit, mon père et ma mère, ils m'ont abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire, ils m'ont abandonné? C'est-à-dire, mon père et ma mère, ils m'ont abandonné dans des clipotes. Pourquoi? Parce qu'ils sont laissés aller. Ne parlons pas s'ils n'ont pas gardé la pureté familiale ou des choses comme ça, que celui qui naît de ça, le pauvre, il a des paquets de poids du corps terrible sur lui. Et c'est très dur pour lui tout ce qu'il fait. Pour ça aussi qu'il ne faut pas s'accabler, parce que la plupart des difficultés que les personnes elles ont, ce n'est pas de eux que ça vient. Si les parents s'étaient comportés comme il fallait dans la conception de l'enfant, l'enfant il aurait été beaucoup plus light par rapport à ce monde-là. Il serait venu léger, c'est-à-dire que la matière, elle ne l'aurait pas attiré tellement. Maintenant, quand les parents, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, comme ils n'ont pas fait des efforts là-dedans, alors après, l'enfant, il part avec un poids déjà, il part avec un corps qui est lourd. Il va falloir qu'il travaille contre un corps, contre une lourdeur du corps. On dit lourdeur du corps, vous voyez, des gens, ils n'arrivent pas à se lever le matin. Des gens, ils veulent se lever le matin, ils n'arrivent pas. Ah, tu dis, lève-toi à 6 heures du matin, c'est comme si tu lui dis qu'il y a la Troisième Guerre mondiale. Il ne peut pas sortir du lit, il peut pas. Bon, d'où ça vient? Ce n'est pas de lui, ce n'est pas de sa faute. Parce que son corps, il ne le laisse pas bouger. Il a un corps en béton, il a un corps en... C'est du plomb, il n'arrive pas. Et il y a des gens comme ça, tu viens, tu l'appelles, tu fais comme ça, tac, il se lève tout de suite. Comme une plume, il n'a pas de c'est rien du tout pour lui, même s'il a dormi 2 heures ou 3 heures, ça gêne pas, il se lève tout de suite. Et il y a des gens, des enfants, ils dorment même 8 heures, 10 heures, rien, pour le tirer, il faut une grue pour le sortir du lit, il n'arrive pas. Il est dans, tu vois, dans la profondeur là-bas de la mort, c'est la mort, vous devez mettre le lit, c'est la mort. Il reste là-bas, il n'arrive pas à sortir, mais ce n'est pas de sa faute. C'est-à-dire, si ses parents, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, alors il a un corps qui est lourd. C'est dur de le sortir. Pour ça qu'il dit Chen lefer chas v'shalom. Dalken sham ikar milchama. C'est pour ça que c'est là-bas que la guerre va se passer principalement. Kehadua comme c'est connu. Aken Pinchas shikine al maase zimri v'echni atavat aguf tavat niuf. C'est pour ça que Pinchas qui a été vengé l'honneur d'Hachem avec Zimri. Il a repoussé donc cette tava du niouf, cette interdiction dans le comportement, dans le plaisir. Shuprinat zuhamat Bilam Amalek, que c'est tout le poison de Bilam et de Amalek. Vekine kinat abrit, d'étaler pour venger la vengeance de l'alliance. Vechnia chomer veaguf, il a repoussé la matière et le corps. Beprinat behema. C'est-à-dire il a repoussé le principe de l'animal, veigbir ve'ela nefesh prinat adam. Il a fait monter l'âme au niveau de l'homme. Sheikar aliyata l'edekdushat abrit, que tout ceux qui s'appellent un homme, c'est quelqu'un qui arrive
se résister dans le Nyan d'Akdusha du Brit, c'est-à-dire qui arrive à travailler dans l'Alliance. C'est pour ça qu'il a été zoché Pinchas, que ses frères et ses enfants, les Kohanim, ils vont avoir le Zeroa, c'est-à-dire ils vont avoir le bras de l'animal, les Chaim Bekeva, les Chaim, c'est-à-dire les Chaim de l'animal, les joues, Bekeva et l'estomac, Medzofre Azevar, de ceux qui vont faire le sacrifice de l'animal, Keneged Vaikar Romar, par rapport à ce que lui, quand il a pris le Romar, quand il a pris l'épée. Donc, Keneged Vayamot Pinchas Vaipalel, comme maintenant c'est écrit que Pinchas s'est tenu et il a été Mitpalel, qui Kol Kinat Pinchas Lachni Azuamat Bilam Amalek, Prinat Achnat Achomer, Prinat Behema. Parce que tout le lien qu'il a fait Pinchas, qu'il a été vengé, le kavod d'Hachem, c'est-à-dire pour enlever cette emprise de Bilam, de Amalek, c'est pour repousser la matière, c'est-à-dire pour faire de l'homme quelqu'un qui soit un être, qui soit dominé par la parole, qui arrive à rentrer dans le monde de la parole et qui arrête de se considérer comme un consommateur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut vivre qu'à travers la consommation. Quelqu'un, il doit s'habituer à vivre avec la parole et à s'investir dans la parole, plus que dans les actes, dans essayer de réfléchir avec la parole, pas avec le corps. Alken zofre azevar shetzichim yachnia prinat abeniut prinat achomer. C'est pour ça que ceux qui font les sacrifices, c'est-à-dire qui doivent repousser le côté animal, doivent repousser la matière, ou la alot anefesh michael medaber, ils doivent faire monter l'âme du côté animal au côté parlant. Alken tzrichim liten matanot la kohen. Ils doivent donner des cadeaux au kohen, c'est-à-dire des parties de l'âme de l'animal au kohen. Zoroa ou le chaim vekeva keneged maase Pinchas. Dire toutes les parties qu'ils donnent, c'est par rapport à ce qu'il a fait Pinchas. Kedei le amshir kedushat Pinchas shezachal leachniat zohamat chomer. Pour pouvoir attirer la sainteté de Pinchas, que lui, il a eu la possibilité, il a eu cette force-là de repousser la matière chez Zohamat Bilam, qui est le poison de Bilam Amalek, ou la alot anefesh, de faire monter l'âme. Chez Ikaratikun chez la BMA. Que ça, c'est le principal de la réparation de la BMA. C'est-à-dire que quand maintenant, on va réparer un animal, c'est-à-dire qu'on va réparer un animal, comme on a vu que tous les animaux, ils ont des âmes dedans, qui sont tous des gilgoulim, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme, tout ce qui est animal, que ce soit des volailles ou autres, dans tout, il y a des âmes humaines qui sont prisonnières à l'intérieur, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont fait attraper par Bilam, par Amalek dans des vies antérieures. Donc maintenant, ils sont revenus réincarner dans un animal, parce que c'est ça leur endroit. Maintenant, celui qui vient pour sacrifier l'animal, pour faire la shrita, mais pour la consommation, c'est quelqu'un qui va libérer cette âme-là et qui va la faire monter dans le niveau de la parole. C'est-à-dire ceux qui vont faire le sacrifice, les shochatim, c'est ça qu'ils doivent réparer. C'est pour ça que maintenant, c'est les parties qu'ils vont donner, c'est par rapport au maasé de Pinchas. C'est-à-dire que maintenant, comme Pinchas, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire avec sa lance, c'est-à-dire d'aller venger l'honneur d'Hachem, de dire quoi, c'est que c'est pas un comportement. Malheureusement, on dit, mais attends, mais tu sais de qui que tu t'y attaques là, tu sais qui c'est Zimri Ben Salou, c'est un prince d'une tribu, c'est pas un voyou de la rue, c'était un grand rave, c'était pas un rigolo, c'était quelqu'un de très élevé. Il dit, mais tu sais à qui tu t'attaques et trucs. Elle dit, il a dit, ce qu'il est en train de faire, c'est interdit par la Torah, c'est tout. Donc il a tué lui, il a tué aussi la fille avec qui il était pour venger le kavod d'Hachem. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose comme ça qui amenait une destruction aussi dans l'âme d'Israël. Il a dit, on ne peut pas laisser faire quelque chose comme ça. C'est pas... Alors lui, le fait que maintenant
il a fait cet acte-là. C'est-à-dire que lui, c'était un Messirut Nefesh. Il a donné sa vie pour pouvoir faire ça. Il ne savait pas. Il a eu des Nissim et tout, mais il aurait pu se faire massacrer. Il a donné sa vie pour ça. Ça a fait que maintenant, toute sa descendance, après, ils ont reçu le lien des Kohanim qu'on doit leur donner des matanot. Quand on fait des sacrifices, on doit leur donner des parties de tzedaka. Mais ça, c'est pas que maintenant ils ont reçu un mérite, qu'ils ont reçu un cadeau. C'est pas un cadeau qu'ils ont reçu, c'est qu'ils ont reçu la possibilité eux aussi de réparer comme lui il a réparé. De la même manière que lui, il a donné sa vie pour sauver le kavod d'Hachem, c'est-à-dire pour dire que maintenant, qu'un juif, c'est pas comme ça qu'il se comporte, c'est interdit. Alors, de la même manière, ces enfants, ils ont eu la force à chaque fois qu'ils vont faire un sacrifice, ils vont recevoir une tzedaka qui va permettre à la personne de sortir de son comportement animal et de s'élever vers la parole. Alors, Otu Zayn, il dit Gam Zoro, Avelechaim, Vekeva, Shem Prinat, Tzedaka, Shel Israël, Prinat, Ta'anit. Donc, aussi, c'est les parties qu'on va donner aux Kohen, qui sont la tzedaka de l'Israël, qui sont Prinat de Ta'anit, Shal Yado, Ola, Nefesh, Michael, Medaber, que le Ta'anit, c'est ce qui fait monter l'âme. Du côté animal au côté parlant, c'est-à-dire vers l'homme qui parle. Kizot anefesh bachai, hi nefesh megulgelet shel Adam mamash. Voilà, Rabbi Nathan, il reprend, il nous l'a dit déjà, je vous l'ai signalé déjà une fois avant qu'il a dit ça, et maintenant il nous le dit encore une autre fois. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que quand maintenant on a devant nous un morceau de viande ou un morceau de poulet, il faut savoir que dedans, il y a mamash, il y a nefesh, migulgelet shel adam mamash. Il y a là-bas une âme d'un homme qui est dans cet animal ou dans cette volaille. C'est-à-dire, quand on mange de la viande, que ce soit de la viande de bovin ou de la viande de la volaille, il y a là-bas un homme qui se trouve là-dedans. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui vit dans cet animal, un être humain. Shayalo kli adibur, et que cet homme-là, que tu vois maintenant, ce poulet-là, cet agneau, cette vache, ce taureau, et lui aussi parlait avant. Lui aussi, c'était quelqu'un, il parlait. Il avait avant, c'est pas qu'il parlait, c'est qu'il avait les kélis pour parler. Il avait la parole. Il avait le droit à la parole. Il avait les outils pour parler. Mais au lieu de parler, il est yardam et prinat, mais d'abord le prinat raï. Au lieu maintenant de parler, il est descendu dans l'animal. C'est-à-dire qu'il a pris le monde comme un monde de consommation. Au lieu maintenant de déboucher ses oreilles et de se dire ce monde-là, c'est un monde qui parle, il a dit non, c'est un monde. Voyons comment on peut prendre du plaisir avec ce monde. Tout le inyan de Yetziat Mitzrayim, comme on l'a vu le jeudi avant Pessah, tout le inyan de Yetziat Mitzrayim, c'est ça. C'est-à-dire quand on dit Pessah, que Pessah c'est faire sortir la bouche de la galoute, c'est-à-dire faire porter la parole de la galoute. Qu'est-ce que c'est faire sortir la parole de la galoute? Ça veut dire qu'il faut s'habituer à vivre avec la parole. Il ne faut pas vivre avec la parole d'Hachem. Il faut savoir que pourquoi maintenant je fais une bracha, quelqu'un qui va voir les chutes du Niagara, par exemple. Quelqu'un, il va aux chutes du Niagara. Alors maintenant, il doit faire une bracha. Oui, il va au Sema Sebereshit. Il dit qu'il voit quelque chose de très beau. Alors il fait une bracha. Pourquoi quand on voit quelque chose de très beau, on fait une bracha? Parce que pour dire que cette chose-là, c'est un message d'Hachem. C'est pas quelque chose qui est beau que je vais aller là-bas m'amuser. J'ai rien à s'amuser. C'est un message d'Hachem. C'est-à-dire, c'est pas fait pour donner du plaisir. C'est fait pour me parler de quelque chose, pour me dire quelque chose. Alors maintenant sortir la parole de la galoute, c'est ça. C'est de savoir que maintenant, tout ce qui est autour de moi, ça me parle. C'est pas quelque chose qui est là pour que je prenne du plaisir. C'est quelque chose qui est là pour me transmettre un message. Ça n'a rien à voir. Alors maintenant, celui qui a compris ça, alors son cli à dibour, c'est-à-dire sa machine à parler, c'est-à-dire l'appareil, l'outil qu'il a de la parole, il va commencer à fonctionner. Mais si quelqu'un maintenant, il interprète le monde comme étant un outil de plaisir, chaque fois qu'il va voir quelque chose, il va se dire comment je peux profiter de cette chose-là, comment je peux prendre du plaisir de cette chose-là, cet homme-là, il devient un animal.
Parce que c'est ça un animal. Tu vois l'animal, tu peux pas le... Abraham Avinu mettait des muselières chez les animaux pour pas qu'ils allaient manger ailleurs. Parce qu'un animal, tu peux pas lui dire maintenant ne mange pas. Qu'est-ce que veut dire ne mange pas? Ça n'existe pas. Lui, là où il voit du manger, il mange, c'est tout. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de ni jour, ni nuit, ni rien du tout. Et il n'arrête pas. Là où il voit, allez, il rentre sans arrêt, c'est tout. Mais les Bnei Adam, c'est pareil. Les Bnei Adam, c'est la même chose. Il y a des gens, ils, sans arrêt. Alors il mange du manger. Après le ventre il s'est rempli, il peut pas continuer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Après il regarde un film. Après il regarde deux films. Après il en a marre, il a vu quatre ou cinq films. Après il écoute de la musique. Après il prend une douche avec du parfum. Après il va mettre des habits neufs. Après il va sortir se promener parce que maintenant il y a de l'air frais le matin. Et voilà, il remplit. Mais après cet homme-là, après il finit dans une vache après. Après il va devenir une vache. Parce que dans sa vie, il a vécu comme une vache. C'est pas que maintenant, il a vécu comme ça. Donc maintenant, après, on va lui dire, écoute, si c'est ça que tu voulais, alors tu vas vivre comme une vache. Comme ça, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Puisque c'est ça que ta vie. C'est-à-dire, tu voulais vivre comme quelqu'un qui n'a jamais utilisé la parole. Alors viens, tu vas vivre dans quelqu'un qui peut pas parler. Tu vas voir qu'est-ce que c'est de vivre dans quelqu'un qui peut pas parler. Et ça, c'est terrible. C'est un Onesh Hashem Yishmor, terrible. Le Gilgul, c'est terrible. Parce qu'il ne faut pas croire que les Gilgulim des animaux, c'est comme nous. Nous aussi, on est des Gilgulim. Nous aussi, mais nous, ce n'est pas pareil, parce que nous, on n'est pas conscient qu'on est des Gilgulim. Mais c'est écrit dans les Sfarim que celui qui est réincarné dans un animal, il le sait qui il est. C'est-à-dire, ce n'est pas comme nous. Nous, on ne sait pas qui on est, qui on était avant. Mais l'animal, celui qui est dans un animal, il sait très bien qui il est et pourquoi il est là-bas et il souffre de ça. C'est-à-dire qu'il est conscient tout le temps de ça. C'est pour ça que le chochet qui va venir pour le libérer, ou celui qui va manger la viande aussi, qui va élever cette viande-là vers la parole, ils ont une très grande responsabilité. C'est pour ça qu'on doit donner l'avant-bras, on doit donner les joues aussi au Kohen, que c'est le principe des joues, c'est là où il y a la parole dans l'homme. Parce que dans les joues, ou dans la mâchoire plutôt, les chaïm, je crois que c'est plus la mâchoire que les joues, la mâchoire, c'est là où c'est fixé tout ce qui va nous permettre de parler. Avec la mâchoire, on parle. Si quelqu'un n'a pas de mâchoire, on ne peut pas parler. Donc les cinq possibilités de prononcer, c'est-à-dire les labiales, les gutturales, les trucs, ça se fait avec la mâchoire. וזה שדקדקו רבותינו ז"ל ואמרו שצריכים לתת ללחיים עם הלשון שביניהם. C'est pour ça que les chachamim ils ont dit il faut donner la mâchoire et il faut donner aussi la langue, il faut donner aussi au Kohen. Et עם הלשון דייקה. Pourquoi ils ont dit il faut donner la langue? כי עיקר הכוונה לתקן הלשון והדיבור. Parce que toute la kavana, c'est de toute l'intention qu'il y a là-dedans, c'est de réparer la parole, de réparer la langue, la parole. Alot hanefesh shenafla lebehemiyut, de faire monter l'âme qui est tombée dans l'animal, les Eider Adibour, et qui est rentrée dans le Eider Adibour, c'est-à-dire dans la non-parole, dans le manque de parole. C'est ce qu'on avait en Mitzrayim, c'est-à-dire qu'on était, on pouvait pas parler. C'est pour ça qu'on était en Égypte, parce qu'on pouvait pas parler. C'est pour ça qu'il y a la galoute qui a duré. Et même maintenant, pourquoi aujourd'hui on est en galoute? Parce qu'on peut pas parler, parce qu'on sait pas parler, parce que la parole elle s'est pas libérée. Il y a trop de consommation. C'est ça qui fait qu'on est en galoute. Chacun là où il est. Et Mashiach il va venir. Et Mashiach il va apprendre aux gens à parler. C'est tout. Et tout ce qu'il va faire, Mashiach, Messiah, il va venir, il va être Messiah, il va dire, voilà, regarde, tu sais que tu peux parler. Alors quelqu'un dit, ouais, mais je sais, je parle. Voilà, il dit, non, non, tu ne sais pas ce que c'est la parole. Je viens, je vais t'apprendre à parler. De la même manière, on voit les tzadikim, ils connaissent le langage des oiseaux, le langage des plantes, ils connaissent ces langages-là. Dans le monde aussi, tout le monde il a un langage. Chaque situation a un langage, chaque voiture qui passe a un langage, chaque fois que je vais à l'épicerie a un langage, chaque personne qui me parle il y a un langage d'Hachem. Chaque fois que je vais quelque part dans un bureau, j'ai besoin d'un papier, j'ai besoin d'aller chez le médecin, j'ai besoin de... Tout ça c'est que d'un langage, c'est un langage. Il faut apprendre ce langage-là
Parce que si on n'apprend pas ce langage-là, alors on vit comme un animal. Qu'est-ce qui nous reste? Si on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas recevoir de communication avec Hachem, alors on va communiquer avec l'emballage d'Hachem, avec tout le côté chitsoni, le côté extérieur de la Bria. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour le côté extérieur. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'on puisse parler avec lui. C'est pour ça que Baruch Sheamar, Hachem, il a dit pour qu'on puisse parler avec lui. Il y a un dibour dans chaque chose. Dans chaque chose, il y a une parole. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est de savoir qu'il y a une parole dans chaque chose. Et si maintenant tu prends l'habitude de parler avec Hachem tous les jours, tu viens, tu dis Hachem, regarde, voilà ça et ça. Tu prends l'habitude de parler avec lui. Après, lui, il va te parler à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Et quand le monde il va te parler, après, tu pourras faire dans le monde ce que tu veux. Parce que si tu trouves la parole, tout le monde, après, il t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux dans le monde avec ta parole. Parce que si tu sais comment le monde y parle, alors ça y est, après avec le langage, tu peux arriver à ce que tout le monde y parle. Comme il a dit le Tana, il avait besoin d'huile et il avait du vin. Alors il a dit, bon, donne du vin, on va allumer un air. Il dit, mais le vin, ça ne brûle pas. Il a dit, qui est-ce qui a dit à l'huile de brûler? C'est Hachem. Alors celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire maintenant au vin de brûler. Il a allumé comme ça, il a allumé son verre de vin. Il a allumé, c'est devenu une veilleuse. Il avait les mêmes propriétés que l'huile. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un, il sait que tout le monde, il est mu, il est en mouvement avec une parole d'Hachem qui est nouvelle. C'est pas, il y a rien d'automatique dans ce monde. Il y a rien qui est automatique. C'est pas parce que l'huile elle brûle que c'est automatique que l'huile elle brûle. Un jour l'huile elle peut ne pas brûler parce que chaque fois que l'huile elle brûle, c'est une parole d'Hachem nouvelle qui fait que l'huile elle brûle. Donc si tu connais la parole d'Hachem, tu peux changer cette parole là parce qu'elle est nouvelle. C'est pas des choses qui sont installées. C'est pas des choses qui sont lourdes. C'est pas des systèmes lourds. C'est des systèmes qui sont légers, très légers, parce qu'il y a une parole nouvelle derrière chaque chose. Chaque jour, toi, tu te lèves, tu es nouveau. Chaque jour, le monde est nouveau. Chaque chose que tu crois que c'est comme hier, elle n'est pas comme hier. Il y a une nouvelle parole derrière cette chose-là. Donc, si tu prends l'habitude de parler avec Hachem, tu vas pouvoir te mettre en rapport avec cette parole qui est nouvelle. Et à ce moment-là, la chose, elle deviendra ce que tu as besoin. Si tu as besoin que cette chose-là soit comme ça, elle deviendra comme ça. Et tu vas voir que ta vie, elle va changer. Parce que avant, tu vivais comme un animal, c'est tout. Tu croyais que le monde, c'était comme des auto-tamponneuses. Tu viens, tu te tamponnes contre un truc, tamponnes contre un autre, tamponnes. Tu as besoin d'un travail, tu te tamponnes contre le travail. Tu as besoin de te marier, tu te tamponnes contre ta femme, tu te tamponnes contre ton truc, tu te tamponnes à la synagogue, tu crois que tu te tamponnes partout. Mais quand le jour où tu vas comprendre que tout ce qu'il y a dans le monde, derrière il y a une parole qui anime ça, et que cette parole elle est nouvelle, et que si tu peux communiquer avec cette parole, tu vas changer, tout va changer. Toute ta vie, elle va commencer à s'animer. Ça sera plus ça sera plus des auto-tamponneuses. Ça va venir des gens qui vont parler. Et avec la parole, tu vas faire tout ce que tu as besoin de faire. Ça, c'est le kli à dibour. C'est ça qu'Hachem, il a donné à Adam Arishon. Adam Arishon, il avait tout le monde, toutes les plantes, c'est écrit, elles étaient sous la terre, elles attendaient qu'il parle pour sortir. Il a prié, les plantes elles sortaient de la terre, elles étaient là, elles étaient prêtes, mais il fallait que lui parle pour les faire sortir. Maintenant chacun c'est pareil, il voit une terre, il n'y a rien. Il dit mais parle, tu vas voir, tout est là, tout est prêt. Dans chaque situation il y a quelque chose pour toi. Mais seulement si tu ne parles pas, la chose elle ne peut pas sortir. Parce que la chose elle a été créée par la parole. Elle ne réagit qu'à la parole, elle ne réagit pas aux mains. Kol Yaakov, nous on n'a pas Yadim Yedei Esav. Et nous, on n'est pas Esav. Esav, lui, il est dépendant des mains, parce qu'il a voulu se séparer de Yaakov. Parce que même si lui, il est né, Behemet, Esav, il est né, on dit, il était poilu, il était tout poilu, tandis que Yaakov, il était lisse. Qu'est-ce que ça veut dire que Esav, il était poilu, il était... C'est-à-dire, Esav, Behemet, c'est dans la spiritualité, c'est la femme de Yaakov. C'est-à-dire, c'est le côté féminin de Yaakov. Et Esav, il est né pour servir Yaakov. C'est pour ça qu'il est né. Donc, il est né avec beaucoup de dépendance de la matière. C'est ça les poils qu'il avait. C'est-à-dire, il dépendait de la matière. C'est ça sa nature de Esav. Tandis que Yaakov, il est lisse.
Ça veut dire que Yaakov, la matière, elle ne prend pas sur lui. C'est-à-dire, Yaakov, il peut toujours se débarrasser de la matière. La matière, elle ne prend pas sur lui. Mais Esav, lui, c'est le contraire. Lui, c'est un spécialiste de la matière. Et s'il ne s'attache pas à Yaakov, il est perdu complètement. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Maintenant, nous, dans l'âme Israël aussi, c'est pareil. Chacun doit s'attacher à Selech Harab, il doit avoir un rab, il doit avoir le tzadik de la génération, il doit s'attacher à lui. Parce que sinon, il va être mistaber. Chacun, il est né avec des paquets, comme on a vu tout à l'heure, comme ses parents, ils l'ont conçu, il est né avec des paquets, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, s'il ne rentre pas dans une dépendance par rapport au tzadik, s'il ne devient pas dépendant du tzadik, c'est-à-dire qu'il ne devient pas mamash meshamesh le tzadik, il ne peut pas se sortir de sa dépendance de son corps. Ou il choisit la dépendance de son corps, ou il choisit la dépendance du tzadik qui va l'amener à l'indépendance et à la liberté véritable. C'est ce qui est écrit pour Yoshua ben Nun. Yoshua na'ar lo yamish mitoch ha'ohel. Que Yoshua, il était un na'ar. Il était toujours dans le loyamish, c'est-à-dire qu'il bougeait pas du Ohel. Ça c'est le pshat, que ça veut dire quoi? Que Yoshua ben Nun, il était jeune et il était toujours dans la tente de Moshe Rabbeinu. Jamais il bougeait de là-bas. Mais quand tu prends Yoshua Nahar, qu'est-ce que c'est Nahar en hébreu? C'est les Naher, ça veut dire bouger, secouer. C'est-à-dire que lui, il était jeune, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui pouvait l'attraper. Lo Yamish, comme on dit, Lo Yamushu Mipira, ça veut dire que Lo Yamish, ça veut dire que ça ne devient pas de la Mamashut. C'est-à-dire que lui, il n'y a rien qui devenait de la mamachoute chez lui, c'est-à-dire rien de matériel n'arrivait à l'attraper, parce qu'il était nahar, c'est-à-dire il bougeait tout, il secouait de lui, c'est-à-dire ce qui se mettait sur lui, il s'en débarrassait, toute la matière qui venait sur lui, il s'en débarrassait. Pourquoi? Parce que mitoch ha'ohel, il était dans l'ohel de Moshe, donc il n'y a rien qui l'accrochait. Quand ils sont venus les Meraglim pour lui raconter les histoires de voilà pourquoi on va aller en Eretz, ils ont parlé Lashon Hara, lui il n'a rien senti bichlal. Yeshua ben Nun. Pourquoi? Il dit parce que Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui, c'est tout. Il n'a rien senti, Bichlal. Il n'a même pas une question. Il n'a même pas une question. Tandis que Caleb ben Yefouné, lui qui était avec les Meraglim, lui il a eu des questions. Et lui il a couru, il a été à Hevron chez Abraham Avinu, chez les Avot, pour pleurer, pour dire sauve-moi, sauve-moi. Parce que je sens que leur philosophie est en train de me tuer. Sauve-moi, je ne veux pas tomber. Mais Yoshua, il n'a même pas prié, il n'a rien fait. Parce que le fait que maintenant il était dans la tente de Moshe Rabbeinu, ça faisait que Moshe Rabbeinu, il priait pour lui. Alors il le secouait, c'est-à-dire ça lui secouait tout le temps. Il n'y a rien qui lui collait. Quelqu'un, ça ne lui collait pas. Ça ne lui collait pas. Tu vois des gens comme ça. Je me souviens une fois quand j'étais jeune, quand j'étais 10 ans plus jeune, il y avait une fois Rav Berland ici, Rav Berland qui est connu de Breslev, il y avait quelqu'un qui est venu, il avait des problèmes de Shalom Bayit et trucs et tout. Alors il avait des problèmes avec sa femme parce qu'ils n'avaient pas de maison, truc et tout. Alors lui il a dit bah, tiens bon, je viens de vendre ma maison, etc. Voilà l'argent, il lui a donné tout l'argent de sa maison, il lui a dit va t'acheter une maison. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il bouge, il secoue, ça ne lui colle pas. Maintenant, quelqu'un, tu lui dis, il a vendu sa maison. Mais attends, mais comment tu vas faire? Où tu vas? Parce que des gens, chaque truc, ça lui colle comme des ventouses sur lui. Il sait, tout s'est collé. L'argent, il est collé dans sa poche. Tu lui dis, sors, il ne peut pas. Et quand il rentre un billet, il y a des ventouses. Tac, ça se colle. L'armoire, elle se colle. La table, le manger, tout se colle. Parce qu'il ne bouge pas, il n'a pas cette légèreté-là de nahar, c'est-à-dire les nahar, il ne bouge pas, ça se colle. Les choses, c'est, quand il dit real estate, ça veut dire c'est mamash, l'immobilier, les maisons, voilà l'argent, quelqu'un il a, le truc, il peut. Mais le Baal Shem Tov, c'est pour ça, ils avaient peur les tzadikim. Baal Shem Tov, comme on raconte dans le Shel Pessah, l'histoire du Baal Shem Tov quand il a voulu monter en Eretz Israël. Baal Shem Tov, jamais il gardait l'argent d'un jour à l'autre. Il ne pouvait pas, il avait peur. Parce qu'il secouait, il ne veut pas garder d'un jour sur l'autre. Il dit, c'est ça y est, mais il va me manger si je mets ses ventouses après. Imagine-toi quelqu'un, il a 20 à 50 ventouses sur lui qui sont collées, mais il ne peut plus bouger. Il est paralysé, le bonhomme.
Comment tu veux qu'il arrive à la neshama, à la parole, le truc? Son corps, il a complètement attrapé. Il ne peut pas. Alors, les tzadikim faisaient attention de se débarrasser le maximum parce qu'il ne voulait pas garder. Il ne voulait pas du tout garder des trucs, des repères du corps. Il faisait attention de ne pas donner de la force au corps. On voit les tzadikim, nous, on n'est pas à cette madriga-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut? Nous, on peut s'attacher aux tzadikim. Et en s'attachant au tzaddik, alors le tzaddik, lui, il s'occupe de nous secouer, c'est-à-dire d'être ménaher là, c'est-à-dire il nous bouge de. C'est ça, et nahar aussi, c'est le jeune, c'est ça ce qui s'appelle un jeune. Un jeune, c'est qui bouge. C'est ça, un jeune. Un vieux, il ne bouge plus. Pourquoi il a mal au dos, il a mal là, il a mal truc? Parce qu'il ne bouge plus, c'est tout. S'il bougeait, son corps, il aurait tenu beaucoup plus longtemps. Mais comme il s'arrête de bouger, il ose. Un vieux, c'est ça, il ne bouge plus. Un jeune, il bouge tout le temps. Alors, c'est une yande de jeunesse, des trachout, de se renouveler, c'est le écart, c'est de savoir que je peux changer. Le écart de la jeunesse, qu'est-ce que c'est un jeune? Un jeune, il croit qu'il peut tout faire. Tu dis à un jeune, il dit, ouais, bon, je sais pas, je vais faire peut-être pilote d'avion, peut-être que je vais aller chercher de l'or en Mexique, je vais aller faire ça. Et plein de trucs qu'il a dans sa tête. Il brasse des centaines de projets comme ça, ça ne le dérange pas. Et un vieux, c'est quelqu'un, il n'a plus de projet, c'est fini, il a ce qu'il a, son affaire, et ça y est, il ne bouge plus de là. Mais il trachoute, c'est-à-dire que c'est de savoir que je peux changer. C'est pas parce que maintenant j'ai une tava comme ça, ou je suis coincé dans un truc, je peux changer. Parce que ça, c'est des choses qui sont collées sur moi. Je peux les enlever. Même si c'est des choses qui sont très collées, je peux les enlever. Parce que j'ai une possibilité de Yoshua Nahar, Loyamish. C'est-à-dire que le fait que maintenant il est jeune, il peut bouger, Loyamish, les choses ne deviennent pas de la mamachoute chez lui. Pourquoi? Mitoch HaOel, parce qu'il est dans le Oel de Moshe Rabbeinu. Comme il est dans le Oel de Moshe Rabbeinu, il n'y a rien qui va le coller. Tout, il peut l'enlever. Tout, il peut tout enlever. Rabbeinu l'a dit, moi je peux te nettoyer, je t'enlève tout, tous les trucs. Depuis Adam Harishon, tu sais, de Adam Harishon, combien de rouilles et de crasses et des trucs qu'un bel Adam, une neshama, elle a ramassé dans ce monde. Regarde, depuis Adam Harishon jusqu'à maintenant, nous, on est là maintenant, ça fait combien? 5700, combien c'est une vie? Disons maintenant qu'on a vécu 100 ans. Alors si tu prends 5700 ans, même si tu as vécu 100 ans, mais ça veut dire que tu es venu 57 fois déjà dans ce monde-là. Tu sais en 57 vies combien de crasses tu as pu rattraper ici. Le tzaddik te dit, moi tout ça je te nettoie. D'un coup tu viens, tu fais un tikkun haklali, je t'enlève tout ça. Tout ça, tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir nouveau, tu vas te sentir léger. Tu vas voir les gens se disputer pour l'argent. Tu vas dire, vas-y, prends l'argent, garde-le. Prends-le, je n'ai pas besoin. Parce que je n'ai pas besoin, parce que demain Hachem il me donne un autre argent. Je n'ai pas besoin. Tu te débarrasses de tout, tu te débarrasses. Il y a toujours du nouveau. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais qu'il y a une nouvelle parole chaque jour. Tu ne dis pas le monde, il est ce qu'il est. Le monde, il n'est rien du tout. Le monde, il est renouvelé par une nouvelle parole. Comme tu es mamine dans la parole d'Hachem. Donc chaque jour, ça te vient ce que tu as besoin. Maintenant, quelqu'un est venu, tu as pris de l'argent, il t'a arnaqué, il t'a enlevé ça, il t'a acheté ton armoire, il te l'a pas payé. Garde-les, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Même d'y penser, le temps que je vais y penser, je n'ai pas besoin de ça. Garde-les, Hachem va envoyer autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais m'ajouter des paquets, des soucis et des soucis. Il y a des gens, toute leur vie, ils vivent avec... Quand ils étaient jeunes, quelqu'un lui a volé. Et maintenant, à cause de ça, il n'a pas pu devenir riche. Il aurait dû devenir riche, il s'est associé avec quelqu'un, il lui a pris la moitié de son magasin. Et voilà, maintenant, toute sa vie, il ne fait que ressasser ça. Mais ça, c'est un blocage, c'est de la sclérose. Le Ben Adam ne peut plus bouger après. Mais il faut lâcher, lâche, c'est tout. Il a pris, qu'il prend, qu'est-ce que tu veux? Hachem nous donnera un autre, c'est tout. Si c'est à moi, c'est à moi. Rabbeinu, il raconte le massé du diamant, je vais finir avec ça. Rabbeinu raconte le massé de quelqu'un. Il c'était quelqu'un, ça parle à ça, c'est qu'il amenait de la terre. Il prenait des seaux de terre, il les amenait en ville. Alors une fois, en creusant, il a trouvé un diamant nifla. Alors il a été chez un bijoutier, il lui a dit, ce diamant-là, il n'y a personne dans le pays qui a assez d'argent pour t'acheter ça. Ça, il faut que tu ailles à Londres, dans un pays de riches, là-bas en Angleterre ou autre. Ici, il n'y a personne. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il avait. Pour arriver à l'aéroport, pas à l'aéroport, au port. Quand il est arrivé au port, il voulait monter dans le bateau. Il n'avait pas de quoi payer le bateau. Alors il a montré au capitaine le diamant. Le capitaine, il a vu ce diamant.
Il lui a dit, ah, tu viens, tout, il lui a donné une chambre première classe, etc. Il a, alors, il était comme un roi, il lui servait dans sa chambre, il avait un serviteur comme ça qui venait, maître d'hôtel, il lui amenait le manger dans sa chambre et tout, il avait le hublot, vous voyez la mer, il était, mâche. Et un jour, il s'est endormi comme ça, il avait son diamant à côté de lui, et le maître d'hôtel, il est venu, il a ramassé toute la table avec la nappe et tout, il a tout jeté dans la mer avec le diamant. Alors lui, s'est réveillé, il a vu ça, il a dit, il a compris qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, si je lui dis au capitaine ça, il va me jeter à la mer tout de suite. Donc il a rien dit, il a continué. Mais Simcha, comme d'habitude, comme s'il n'y avait rien du tout. Maintenant, le capitaine, quelques temps avant qu'ils arrivent à destination, il lui a dit, regarde, moi j'ai des problèmes là-bas avec la douane, etc. Je ne peux pas amener toute la marchandise, je n'ai pas le droit d'amener cette marchandise dans ce pays, etc. Donc je vois, toi tu es un homme d'affaires, tu es un homme très riche, etc. Je vais mettre tout ce que j'ai dans le bateau à ton nom, et après quand on arrivera là-bas, je récupérerai. Maintenant il a mis tout ce qu'il y avait dans le bateau à son nom, et après il est mort, le capitaine. Et lui, il a eu tout ce qu'il y avait dans le bateau, que c'était beaucoup plus que le diamant qu'il avait. Alors là-bas, Rabbeinu, il dit que le diamant, il n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il a perdu. Mais la richesse du bateau, elle était à lui. La preuve, c'est qu'on lui a envoyé maman, c'est devenu à lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que maintenant, tu as quelque chose. Ok? Maintenant, tu l'as perdu. Alors, tu l'as perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que ce n'est pas à toi, c'est tout. Si c'était à toi, tu l'aurais jamais perdu. Donc c'est pas à toi. Et maintenant c'est pas à toi. Laisse tomber, ça y est, roule, avance. Ne commence pas à pleurer sur ça. Avance, parce que si tu pleures pour ça, tu vas perdre ce que tu devais avoir. Tu dois avoir quelque chose, que ça, oui, ça t'appartient. Maintenant cette chose-là que tu as eue, que tu as perdue, c'était pour t'amener à l'autre chose. Et si maintenant tu commences à rester endeuillé, à pleurer sur cette chose-là, tu ne vas pas trouver l'autre chose. Alors ça y est, c'est vrai, tu avais un diamant, tu n'as plus rien. Roule, continue, fais comme si ce n'est rien passé. Continue à rouler et ça même, ça amène la Yeshua après. Ça, c'est la notion de Na'ar, c'est-à-dire les Na'er. Il faut secouer. Comme dit le ménage de printemps, là, le ménage de Pâques, tu viens, tu jettes, allez, balance, tout ce qui ne sert à rien, tu jettes. Qu'est-ce que tu vas faire avec une maison, avec des stocks de Il y a des gens qui disent, non, ça, il faut garder, ça, il faut... Qu'est-ce que tu gardes? Ça fait 10 ans que c'est là, tu l'as jamais utilisé. Allez, jette, c'est tout. Donne-le, jette-le, c'est tout. Débarrasse-toi, garde ce qui est vivant, avec quoi tu vis, ne garde pas des paquets. Ça, c'est surtout Beruch Niout, on a besoin de ça. C'est-à-dire spirituellement, d'être ma'amin, qu'on peut changer, qu'est en une seconde on peut changer. C'est pas, il ne faut pas croire qu'on est condamné, on est handicapé dans l'avodat Hashem. On peut changer, il faut, parce que le monde bouge sans arrêt, le monde change, il y a une nouvelle parole sans arrêt. Donc il suffit que cette parole là on puisse rentrer en contact avec et ça y est, on est sauvé. Bezrat Hashem. Baslacha, Shavua Tov.